On estime que l'histoire des agrumes remonte à il y a 20 millions d'années dans les régions tropicales et subtropicales d'Asie. Grandissant dans l'extrémité de leurs fleurs blanches, ces fruits de couleur et de jus jaunâtre se sont répandus de l'Asie à l'Europe, puis en Afrique. Bien que l'orange ait été introduite en Floride par les Espagnols comme un fruit espagnol, certaines variétés sauvages d'orange ont été rencontrées dans certaines régions de l'Amérique où vivaient les Amérindiens. Avec une production globale de près de 46 millions de tonnes, l'orange possède la valeur commerciale la plus élevée parmi les autres agrumes. La mandarine avec 29 millions de tonnes, le citron avec 7 millions de tonnes et le pamplemousse avec 6 millions de tonnes de production suivent l'orange. De la production d'agrumes mondiale totale qui est de 88 millions de tonnes, la Chine avec 32 millions de tonnes, suivie par l'Union européenne avec 11 millions et les États-Unis avec 8 millions de tonnes de production, sont les plus grands producteurs du monde. Les autres grands pays producteurs d'agrumes sont le Mexique, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Égypte, l'Argentine et le Maroc. Bien que les acheteurs les plus importants d'agrumes soient des pays développés comme l'Union européenne, les États-Unis, la Russie et le Canada, les agrumes sont des fruits sollicités dans tous les pays du monde entier. Les pays européens sont à la fois de bons producteurs et de bons consommateurs. Il y a une grande demande d'agrumes parmi la population russe, grands consommateurs très soucieux d'avoir une alimentation saine. Les huiles essentielles de ces fruits orange et jaune sont très utilisées pour la fabrication de parfums, déodorants et crèmes. Le marché le plus important est celui de l'industrie des jus de fruits dont la valeur économique est plus importante. Environ un tiers de la production d'agrumes est destinée au traitement industriel et plus de 80% de cette part représente la production de jus d'orange. Selon les données de la FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la production mondiale de jus d'orange est de 1,6 million de litres par an. Et le plus grand producteur d'orange est le Brésil avec une production de 900 000 litres. Les plus gros importateurs de jus d'orange sont respectivement l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud. Le jus d'orange est souvent commercialisé sous forme de jus concentré congelé. Par conséquent, les coûts de stockage à froid et de transport sont assez faibles. Les agrumes sont très populaires pour leur couleur jaune-orangée, leurs fruits charnus remplis de jus, leur saveur distinctive et leur arôme. Plus d'être riches en vitamine C, les agrumes contiennent 3% d'huile. Elles sont également riches en vitamine A, des fibres, d'acides organiques, de potassium, de calcium, de magnésium et de sucre. La recherche scientifique démontre que tout ce contenu a de nombreux avantages pour la santé, tels que la prévention du cancer, la purification du sang, l'amélioration de la fonction hépatique et l'embellissement de la peau. Les scientifiques soulignent que le corps humain ne produit pas de vitamine C et le besoin quotidien doit varier entre 50 et 70 mg. Selon cette étude, une orange moyenne consommée de façon quotidienne satisferait ce besoin. Les agrumes récoltés doivent être transportés rapidement au dépôt frigorifique après la récolte et soumis au traitement de pré-refroidissement. Il est évident que les paramètres de stockage varient selon les différents agrumes. Une humidité relative de 85 à 90% est nécessaire pour le stockage des agrumes. Alors que la mandarine est stockée à plus 3 à plus 4 degrés pendant 3 à 4 mois, l'orange est conservée à plus 4 à plus 6 degrés pendant 5 à 6 mois, le pamplemousse à plus 8 plus 10 degrés pendant 5 à 7 mois et le citron à plus 10 plus 12 degrés pendant 7 à 9 mois dans une atmosphère normale de stockage. Les systèmes de contrôle atmosphérique, malgré le fait qu'ils soient très performants pour la conservation de la pomme ou de la poire, nécessitent environ un mois de durée de stockage supplémentaire. Cette demande grandissante pour une alimentation saine est liée à la constante croissance de notre population.